Non, mais c'est ça ton idée de vacances de rêve. Quoi? C'est pas encore assez bien pour madame? Tu m'as dit fais-moi confiance, chérie, cette fois-ci tu vas pas être déçue. Attends, comment t'expliquer de la manière la plus gentille possible? C'est de la merde! On aurait mieux, fait de rester chez nous, enfin, j'aurais pas été obligée de te supporter pendant 3 jours! Être un minimum reconnaissant de tout ce que je fais pour toi. Ah oui, mais justement, qu'est-ce que tu fais pour moi? Mais tout, je fais tout pour toi. Et puis, merci d'être pas contente, t'as qu'à retourner avec ton ex. Ah mais non, c'est vrai, elle t'a quitté. Je devrais peut-être faire la même chose. Pardon? Tu m'as très bien compris. Non mais regarde-toi, t'es qu'une ratée qui se plaque matin jusqu'au soir. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais encore ici, hein? Mais vas-y, mais casse-toi! Me casser? Pourquoi me casser? Je prends enfin un peu de plaisir à te dire que je ressens rien. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je fais ce que je veux. Depuis le début, je fais tout pour toi, j'essaie de te faire plaisir. J'ai même pas eu un seul remerciement de ta part. J'attendais juste un petit merci. C'est tout. À la place de ça, j'ai... Qu'est-ce qu'on fout ici dans ce trou perdu? Des critiques en retour. C'est tout ce que tu mérites. Qu'est-ce que tu fais? Mila, arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Donne-moi ça. Je t'ai déjà dit que c'était dangereux, le feu. C'est ça ton idée de vacances de rêve? Mais je voulais faire comme toi.